Si vous la caille Haïti pour comme mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir pour nous toutes. Moi content avec nous jeudi, c'est lundi et avec même plaisir et que nous rejoignons sur channel pour là pour nous continuer informer ou sous actualité yo dossier politique insécurité et nous là matin là donc nous pral faut tendre déclaration et ancien sénateur Guy Philippe qui lui-même encore une fois mesdames et messieurs campé derrière déclaration ça qu'il t'a fait et ben côté il t'a déclaré que s'il prend tête pays il pral bay tout bandi amnistie une façon pour le capable joindre tout nèg qui et ben yo même t'ap supporter t'ap fourni nèg ça aux âmes ak l'argent. Eh ben c'est ça qui fait un peu le monde et estimer Guy Philippe ensemble à supporter gang yo. Eh ben c'est ça monsieur lui-même déclaré. Donc c'est une façon que les mêmes les besoin qu'on ait tout gros bourgeois politiciens sénateurs et députés qui ont même impliqué dans et financer gang yo dans pays d'Haïti qui fait n'a fait kidnapping tout le monde bloquer pays bloquer. Eh ben tout temps yon population haïtienne et c'est ça Guy Philippe lui-même les besoin qu'on ait. Eh ben dans vidéo ça nous pral inviter ou gain tout détail. Et gagne tout le Kodesi qui expliquait façon que petit garçon li Stéphane Désir lui-même li et donc il t'a suicidé tête dans pays les États-Unis et selon ça Louko expliquait ben bagay la gen l'est pas aussi simple jan en pile monde ka penser parce que t'a semblé donc c'est et pas monsieur qui dit même tout tête li selon ça Louko expliquait et dans vidéo ça nous pral inviter au temps de Louko pour ban nous plus détail et comme ça ou ka quitter commentaire en bas vidéo ça mesdames et messieurs pour dire nous eh ben est-ce que ça le coup dit c'est vrai est-ce que c'est tout yon ta ka touye monsieur bien que c'est monsieur qui touye tête li donc ces questions en plus mon a posé mais nous pral inviter gen plus détail avec papa petit là Louko Désir qui pral dire nous comment ça y parce que FBI est déjà a mené toute ben investigation ak bon jan enquête pour joindre assassin qui ta kab et retirer la vie petit garçon Louko Désir. Bon écoute tout le monde n'a tourné de justice kenyane, et bien sous demande ça pour refus de déploiement de forces kenyanes en Haïti et qui n'actualité a qui font pile remou en pile moun a parlé de qui ça bagay la yé faut-il bien c'est ou même qui t'a expliqué nous qui ça question yé qui ça nous doit comprendre qui sont qu'a dit population sous démarche ça matin en amico vérité. Bon, on pense que responsabilité on est qui dit son leader politique c'est garder pour le comment qu'a boutique pays dans sa lia et nous prenons quatre occupations des militaires de 94 à nos jours. Il va utiliser le pays à rien. Amérique envahit, occupé le pays d'Haïti depuis combien de temps? Et puis après, un an, quand on dérapé, le pays a vint plus mal. Donc, ça n'a pas cherché nous-mêmes, c'est solution durable. Oui, moi, j'aime des îles déjà. Et nous écrit, et c'est pas moi-même, c'est l'équipe-là, et moi-même, c'est moi-même, et nous écrit la justice kenyenne, nous écrit et OEA, Organisation des États Américains. OEA également. Nous, nous écrit l'ONU. Okay. Et nous écrit États-Unis, nous voyons pour Congrès américain. Nous voyons pour la Russie, nous voyons pour la Chine, nous voyons pour l'Union africaine, pour nous dire et dénoncer qui ça, États-Unis d'Amérique, a essayé de faire en Haïti, a fait en Haïti. Okay. Et qui vient tourner en frein pour le développement pays. Donc là nous clair alors des débats qui clairement dit m'pa konnen sou ka énumérer quelques bails rapide pour nous là pour mieux capi bien comprendre débats que nous dénoncer clairement à nous gens dit là adressé à ces institutions. Premièrement, yo voye une mission multinationale qui va même en mission onusienne. Ça veut dire une série de réclames bon bail nous pas ca réclamer. Dès que on ca vinn là yo crasé yo brisé, il va gagner aucun cadre légal. Deuxièmement, moun qui invité dans pays a pas présent public, il n'y a pas de responsabilité. Ça. C'était Ariel Henry qui est ton premier ministre. Il n'y a pas de chef l'État. Donc, loi internationale claire. Donc, Ariel Henry n'a pas aucune capacité légale pour inviter troupes étrangères à rentrer dans le pays. Pas de cadre légal. Non, il n'y a pas aucune légalement qui a le droit pour inviter troupes étrangères dans le pays. Et tout ça, tout ça a fait. Pas un monde qui a bien fait, pas un monde qui est sûr de qui ça a bien fait. Tantôt, yo dit, y a venu de mettre sécurité dans le pays, tantôt, yo dit, non, yo même y a venu là, puis yo venu protéger l'aéroport, et puis yo venu de l'ambassade, par le ministère, par le national, rien sérieux qui yo pas bien fait pour yo venu des populations. Et sous ça, sénateur, j'ai l'impression, même le conseil présidentiel qui est là, pas de contrôle sous bagay là. Dernièrement, il y a des informations que tu as partagées ici. Il y a l'impression même, si Voltaire, il y a un conseil qui descend en bas, c'est accès que tu as besoin pour le garder. C'est un accès pour le balai pour le garder, pour le connaître ce qui a passé dans la base là, comment la base a construit. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle ni information de ce qui a réglé en réalité.
Non, ce sont des ordres totales. Et tout le monde connaît que l'intervention force ça à la vie seulement pour venir défendre l'intérêt oligarque haïtien et l'intérêt ambassade américaine. Ce n'est pas rien que nous venons faire. D'ailleurs, après, comment le pouvoir qui est en place là, c'est l'ambassade américaine même qui fait le coup de la main, qui a blédé. Tout le monde voit que c'est sous pression américaine que pouvoir ça, que c'est conseil 9 membres, que c'est le premier ministre. Tout le monde connaît que le premier ministre, il était premier ministre. Ils ont retiré pour question CIRH, COB qui ont été débloqués et pour reconstruction Haïti, et que ont été famille Clinton, c'est qui représente l'intérêt, là, ils ont été mal passés, en pile, ils ont été même accusés, et d'ailleurs, ils ont été mandat d'ailleurs pour ça. C'est le 16 mai avant là, pour le cas rentrer en Haïti, ils ont retiré mandat. On parlait de Gary Goni. Gary Goni, 16 mai qui sont passés là, que pour le cas venir là, premier ministre, il y a exigé pour retirer mandat, et ils ont retiré mandat immédiatement. Donc, pas un monde qui est égaré, même l'intérieur de dernièrement, soit disant en discussion entre CP et Premier ministre, sont bluff. Tous deux même mettre. Oui, tous deux entités ont même mettre, tous deux travaillent pour le même monde. Celle ça qui fait là, c'est piller Haïti et puis craser VIA. Donc moi j'ai écrit l'être là, une responsabilité et à l'équipe pour nous dénoncer bagaille ça, pour nous demander, pour nous bonne aide. D'ailleurs, je dis à vous 2500 militaires. On a plus que combien 100 000 jeunes haïtiens qui ont aimé rentrer dans l'armée, qui ont aimé servir le pays. Nous avons en prion l'armée d'Haïti. Dans l'état, nous écrit lui. Nous disons pour qu'il ne soit pas renforcé l'armée d'Haïti avec la police nationale. À comme ça qu'il a bien dépensé pour équipe nègre, c'est boué, bien boué, violer le monde, bailler choléra, bailler maladie, et puis tourner la caillou. Donc moi, je dis, pour qu'il ne soit pas investi avec l'agence, pour qu'il fasse l'armée dans une jambe, pour qu'il fasse la police dans une jambe, bailler la formation, équipe nègre, pour qu'il soit même capable de faire face à la criminalité que Haïti a bien suivi. Donc c'est ça, nous disons, nous expliquons, maintenant qu'on va dépenser, avec comme ça, notre bon l'armée sérieux dans le pays, avec comme ça, nous avons une police nationale bien équipée, bien entraînée, qui a aidé nous à jouer une solution de façon durable à problème insécurité. Ça nous devons connaître, sénateur. Et monsieur, c'est à quoi comme pas nous pour nous renforcer la police par nous, pour nous renforcer l'armée par nous. Parce que monsieur, ça va pas d'abjam par nous comme pour nous renforcer. Tu mets d'habitude pour prendre comme là pour faire une force venir. Mais si nous besoin de sécurité, c'est comme par nous. Pour nous renforcer la police, pour nous renforcer la médaille. Non, ouais, nous pas faire le tout. Même si. Mais son pays n'a pas fait. Est-ce que vous pensez que les Kenya vont venir là, ils vont aller dans le corridor, ils vont venir battre pour nous, ils vont tout côté, pour bonne sécurité pour nous? Ils ne vont pas venir faire. Non. Il faut que nous ne pas mettre nos mentir. Nous avons l'armée, nous avons jeunes, nous avons la police, nous avons les entraîner, encadrer, équiper, payer bien. Parce que l'État, si vous voulez la sécurité, il faut investir pour la sécurité. Par contre, si. Par contre, si tel fois qu'on a abordé ce dossier, ça, d'après le moine Bruno, bon, qui clair devant nous, et comme si mandat fonçage est presque fini, tout même pas pour même commencer là, non? Eh bien, mandat la fini, hein, c'est pour un an, il y a des bails de mandat. La fini en juillet, là. Pas tel beaucoup rentrer. Il faut qu'on rentre, mandat est fini. Bon, l'autre COB va le débloquer encore. Ça, entendez. Et comme l'a déjà fait. Comme l'a fait. Pour nous comprendre le problème, non? Parce que moi écrit, moi voyez plusieurs lettres. C'est pas seule lettre, moi voyez pour payer ça. OK. Problème Haïti a son problème social lié. C'est la misère qui l'a gagné dans sa nia, là. Base la misère, c'est corruption. C'est mauvaise gouvernance. C'est ingérence américaine dans l'affaire interne pays d'Haïti. C'est eux qui mènent et qui mènent côté de là qui viennent vivre le problème. Nous ne pouvons pas prendre un problème de sécurité là, pour question seulement que la police va faire travail, l'armée travaille, après elle fait travail. Tout autant, nous ne pouvons pas faire ça pour nous faire, pour nous résoudre le problème social. Nous avons toujours joué un problème ça. Et la police avec l'armée d'Haïti a toujours tout le temps à éteindre du feu. Faut que le gouvernement, faut que les dirigeants soient suspendus, corrompus, faut que suspendent vont les COP BIA, faut qu'ils investissent. Alors, sous ça, on parle à la grand pile contradiction sous les. Alors, sous opinion par là, sous question et amnistie, qui clairement, chaque fois on parle de eux, qui ont même dit, c'est Guy Philippe a demandé amnistie pour gang. Ou qu'on réponse claire au cabaye sous dossier ça? Mon cher, chaque fois les gueules se crasent en pays, volent en pays, détruisent en pays, occupent en pays, ils ont toujours joué un secteur dans la presse qui c'est presse mensonge, presse cabaye menti, presse cabaye travail pour eux. Et puis, même pour bombarder les gens. Ils ont créé une situation là, je dis là, pour nous jouer en Haïti que nous gagnons là.
pas parce que c'est par hasard pour que nous avons toutes les âmes dans la zone défavorisée. Côté rejoignez encore une fois, qui est-ce qui baille, côté rejoignez, côté rejoignez, quand vous achetez les âmes, côté rejoignez, quand vous achetez les munitions, comme mon pays des États-Unis fait quitter toutes les âmes, toutes les munitions sont sorties la caille sans que le vacab contrôle l'île. Première puissance dans le monde. Donc, il faut que nous posions des questions bien. Donc, l'homme parle de amnistie. Autant des nègres ont parlé, oui, qui fait une amnistie. Oui, moi, dis-moi. Et me camper derrière samedi, pour nous jouer une stabilité. Oui, pour nous jouer une stabilité, pour nous jouer une tranquillité, il faut qu'il y ait amnistie qui baille. Et amnistie qui offre. Et amnistie qui offre, ce n'est pas seulement pour délinquants à sa patte, ni pour délinquants à cravate, tout. Et surtout pour délinquants à cravate, parce que c'est délinquants à cravate qui baille. Délinquants avec sa patio. Donc, si nous voulons vivre, pour nous mettre sécurité, stabilité, pour touristes qui rentrent dans le pays, pour les gens qui viennent investir dans le pays, pour les Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui rêvent de retourner dans le pays, qui viennent dans le pays, nous-mêmes, il faut créer un environnement comme l'État, il faut créer des conditions pour les gens qui viennent vivre dans le pays, viennent faire touristes, viennent investir dans le pays. Alors, là, dans la question amnistie, il y a un chapitre qui est extrêmement important. On a parlé de surtout et commission, on a parlé de ça également, justice et de vérité. Ça sont gros lots. Parce que pour le monde, alors, il n'y a pas qu'à parler d'amnistie sans que nous ne gardions le système judiciaire que nous avons là pour ne pas remettre en question pour une justice qui est correcte tout d'abord. Moi, j'entends des gens qui parlent d'amnistie, qui disent que Philippe dit que l'amnistie est gang, que Philippe dit que c'est la gang qui a réglé. Et ça, nous avons payé pour vous remonter. Vous bien connaissez que l'homme parle d'amnistie, il y a plusieurs points. Il y a une commission vérité. Faut mon venir pour dire ça me fait venir accepter tout le fait et nation. Il y a justice là. Après il y a considération pour ba mon on pardon et après il vient réinsertion dans société. Et ça c'est trois cas pays qui fait et ont des problèmes graves dans nous, dans l'Afrique du Sud, même États-Unis sont fait là dans années 80 là. Tout côté a fait Colombie sont fait là avec président Santos, République Dominicaine fait avec Juan Antonio Guzman qui débat Boroni Quintanueva. Tout côté a fait. Mais Haïtien lui-même, dit bien qu'on est que Amnesty m'a parlé, c'est pour tout le monde, pour nous réconcilier le pays, pour nous mettre base, pour nous faire une conférence nationale souveraine, pour nous faire un dialogue national, pour nous faire un Haïti besoin. Mais tout le problème, sénateur, il a brisé. Tout le problème, c'est dans la commission, oui. Parce que les mecs ont réfléchi, ils ont dit quatre commissions, ils vont mettre vérité, ils vont mettre lumière sur moi, ils vont arriver à Athènes. C'est une commission, en pile fois, qui peut, mais je suis sur Amnesty. Mais ça, n'est pas comprendre. Tout n'est qui fait commission justice là, avec vérité, hein. Yo pensais que yo cap tout le temps à cabrer la justice parce que yo gagne appui aux États-Unis, c'est sous l'ordre ambassade, a fait toutes les autres ça. Non! Peuple là, a joué yo, il a jugé yo, il a condamné yo. Parce que vous faites payer à trop de temps. Si je dis à la, nous avons toutes les jeunes, nous avons des gens qui examinent dans mes yeux, c'est parce que chaque grand ministre, nous, chaque grand premier ministre, nous, chaque grand président, quitte. Ambassade a joué dans tête ou bien et yo tellement aimé l'argent, yo volé tout ça qui rentre dans le pays qui peut permettre nous mettre base pour une société qui plus juste, qui plus égalitaire. Yo pas mettre l'école, yo pas mettre travail, yo pas créer aucune condition pour agriculture dans vie en réalité pour nous tab bay peuple nous manger, peuple nous lever par contre comment il a dormi, jeune garçon jeune femme nous a marcher dans la rue chaque jour par contre qui j'en pour faire, madame ou obligé à prostituer. OK. Jeudi soir, il était 8 heures, je parle avec Stéphane au téléphone. OK? Nous avons une limite lundi pour nous payer. Attendez, madame, monsieur. Nous avons une limite lundi demain hein, pour nous payer $5,000 américains à Nova University pour graduation. Attendez bien, madame, monsieur. Graduation, il y a plusieurs packages. Bon package qui $1,000, bon l'autre package qui $2,000, bon l'autre package qui $3,000. Stéphane dit, look, monsieur dit, my man, c'est comme ça, monsieur, my man, what you gonna do? Dit, monsieur, you deserve the whole package. Moi dit, monsieur, vous méritez tout package là. And I will pay it, I will make it. Et jeudi soir, dans le téléphone, monsieur, et c'est ça, m'a dit, monsieur. Puis, il m'a dit, what about the money? Dit, monsieur, the money is ready. OK? Je dis, monsieur, m'dit, Stéphane, the money is ready. Talk to your mom. Là, effectivement, money fin par la balle. Et mes messages à sur téléphone, moi. Même côté à Stéphane, elle parle avec maman. Maman dit, everything is OK. I just spoke to your daddy. Everything is OK. The money is ready.
Et puis, monsieur Koul. Monsieur Beau Maman, 5 fois. Et puis, maman fait coucher. Et puis, vers 9h, 10h du soir, maman prend temps. Safani prend temps. Elle est levée. Levée. Et puis, elle voit que Stéphane pas dans la chambre. Ça inquiète. Parce que Stéphane va jamais quitter la caille, moi, la caille Stéphania, sans que lui pas dit le côté l'aller. Maman trouve ça bizarre, lui relève le téléphone vers 10h du soir, lui relève le téléphone, lui pas jamais joué une réponse. 11h, Stéphania a brûlé, pas de réponse. Minuit, pas de réponse. 1h, 2h du matin, pas de réponse. Jusqu'à ce que, à 4h du matin, Stéphania a commencé à brûler la police. La prélé dans la prison, la prélé commissariat, c'est le la police, c'est le pour dire que, gon machine qui paquait dans la zone raïtrain, qui matriculait tel numéro, est-ce que ça c'est machine petit toi? C'est le Stéphane Relamoué, oui c'est machine petit toi, Stéphane. Qu'on a petit film dans déplacé, là sur les lieux, ok? Et puis là, il y a effectivement, il y a que c'est machine Stéphane. Tendez bien, madame, monsieur, tendez bien! Jusque là-bas, il y a un problème. La police dit, il y a un signal téléphone en côté. Il y a un problème. Je parle à la petite fille. Je dis, on a pas de fun. Il dit, daddy, 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 calm down, calm down, calm down. Ok? Il joue un mosoko, moun, qui traîne, déchiqueté. Bout met à gauche, à droite. Petit film dans d'aller calm down. Mais machine, petit garçon, dans les devant. Et puis, il dit, what about the phone? Petit film dans dit que la police dit, il a cherché le téléphone. Et qu'il y a un signal téléphone. Là, il y a un problème. Je contacte ma maman, après l'amour, moi, là, je quelques minutes après, quelques temps après, peut-être une heure après, la police vient confirmer que il y a un téléphone dans en deux machines. Tendez bien, madame, monsieur. Téléphone en deux machines. Ok. Téléphone en deux machines, non? Pour nous, vous ouvert le téléphone? La police dit, vous avez un message qui lock en côté en deux téléphone. Tendez bien, madame, monsieur. Madame, monsieur, on petit monde, on monde capable de tuer tête. Parce que les frustrés dans le cas là, parce que il y a un problème à maman, parce que il y a un problème avec papa, parce que il y a toute qualité de problème, la pécu message là, la dit toute sale sentio, il voye ou ben maman, ou il voye ou ben papa. C'est pas mon message, lock, un don téléphone pour te quitter. C'est pas ça, ça c'est une deuxième bagarre. Bon, un message qui lock un don téléphone, et puis accident qui fin fait, tout de suite. Tout de suite après, peut-être 30 minutes après, ou que tu as déloqué le message là. Et puis tout de suite après, le message là, que tu as déloqué. Comment le message a fait que tu as déloqué? Donc, si tu prends le téléphone comme la police, ou pas ouvrir le téléphone, ou pas le travail téléphone, ou pas chercher, ça va prendre un jour. Ça va prendre deux jours. Après deux jours, tu as dit que tu as fouillé le téléphone, ou joué un côté, un message qui te loque qui dit. N'importe qui monde qui veut un message ça dit maman pardon contactez maman mais numéro de téléphone maman mais